Donc on est ici dans l'atelier de création de la Ponte des Parades où se font les chars, où on se rencontre pour apporter ou venir récupérer des matériaux divers de récupération, des tubes en carton, des feuilles en plastique, des plaques de bois. Enfin, c'est quelque chose qui a tourné pas mal. Et c'est aussi ici qu'on a fait la répétition générale, qui a permis à tout le monde d'amener ses chars, de faire les finitions et de partir aussi le matin de la parade. Beaucoup de chars sont partis d'ici pour se mettre en place dans le défilé. Et c'est donc les 15 derniers jours qu'on a beaucoup utilisé cet endroit pour se retrouver, fabriquer ensemble, échanger des idées. Depuis le mois de novembre, j'y étais plusieurs fois par semaine. Il faisait sans doute très froid et j'étais très seul. Mais c'est vrai que le printemps arrivé, ça allait mieux. Et c'est là que les gens ont commencé un peu à investir le lieu. Mais il y a aussi le fait que la parade, c'était pas un concept évident pour tout le monde. Enfin bon. Personnellement, j'en avais vu plusieurs et en avais participé à celle de Redon l'année précédente. Et donc, on avait une petite expérience de cette animation. Et ça a permis de motiver les gens. Tout le monde a pu se retrouver le même jour, au même endroit, pour une super parade déjantée, à souhait. Parce que donc à l'origine du projet, au tout début, au mois de décembre, nous on s'était fixé à peu près à 300 participants et une quinzaine de chars. Et finalement on s'est retrouvé le jour J, il y avait entre 450 et 500 paradeurs, une vingtaine de chars. Donc finalement le projet s'est bien développé et les gens ont été assez réceptifs en fait par rapport à l'idée parader ensemble. On a estimé à 3000 personnes d'après les photos multiples qui ont été prises. Le nombre de spectateurs. Qui rentrait largement dans nos espérances et ce qu'on peut appeler un succès pour une première. Thank you.
ça pourrait peut-être donner des envies. Ce serait aussi un des objectifs de la parade, c'est de rebondir sur plus de formation musicale peut-être. Et développer le spectacle de rue aussi, qui n'est pas encore très développé dans le pays de Pontivy. Donc si ça peut donner des envies et aider au développement de cet art populaire et gratuit, c'est ouvert à tous, ce serait une bonne chose. C'est quelque part le dernier espace de liberté aussi, la rue, puisque le prix des théâtres est assez prohibitif pour tout le monde, pour la plupart des gens. Les loisirs culturels sont en général coûteux pour une famille, tandis que le spectacle de rue permet de s'exprimer librement, sans trop de contraintes, et puis que chacun y reste ou pas, paye ou pas. L'objectif qu'a trouvé Yannick Servel, artiste pontivien, faire pétiller les yeux des petits et des grands. Ça, c'est peut-être l'objectif principal et je crois qu'on a réussi à ce niveau-là. On compte sur vous pour la prochaine parade, donc venez nombreux avec vos idées, qu'elles soient farfelues ou non, particuliers, associatifs, voilà, et des idées surtout farfelues. Bonne soirée. Au revoir. Mais ouais,